vitesse, ma vie. Pourquoi on regarde le stage discutable. Les Blast Zones sont très proches du terrain. C'est Miss World Fighter qui aime bien tuer avec Tornade ou tout. B merdique. Oh, non, il a pas le nanote B, donc ça marche pas. Mais Tornade il coup, il a pas le tout piqué, tu joues. Non. Ah, donc il joue pas Miss World Fighter en fait. Il ne joue pas le perso qui fonctionne. On va voir l'intérêt du personnage. Eh bien, il aurait peut-être dû prendre le bon up B. Stock à 2. C'est vrai qu'il a beaucoup joué sur la distance, normalement. Non. N'oubliez pas les enfants, Captain Falcon, il veut vous lancer des downers et des grabs. Alors, on dégage et on DI vers le bas. On est sûr. Ah, là, il y en a eu plein comme ça. Il y a des petits trucs qui queen quand le Miss World Fighter se fait taper, c'est assez agréable. Pyrites qui est très chaud cette conversion. Sa force principale. Coucou Barbe Douce. Malheureusement, son neutral laisse à désirer. Voilà, il aime bien marcher dans les cerceaux. Espèce de gymnaste. Et il attend un saut, hein, sur la. Donne le chakram. Qu'est-ce qu'il faut ? Il fait des choses. Eh bah ouais. Eh bah ouais, la red zone Captain Falcon. Et ça réagit derrière. Ne pas recover dans cette zone contre Captain Falcon si vous n'avez pas de hitbox active. Je sais pas si c'est là qui a eu le temps de prendre des informations sur le Falcon de Pyrites, ça s'est vraiment fait fumer. Mais. C'était pas un. Bon, c'était. Parce qu'on est vraiment pas du tout Falcon. Falloir qu'il joue plus sur la distance, là, comme il l'a fait contre moi. Et qu'il y aille. Non, c'est pas légal. C'est pas impossible qu'il y ait un changement, il avait joué Richter contre il y a 2 semaines. Mais quand il a joué contre moi, il disait que le Miss c'est ce qu'il jouait pour gagner. Donc je suppose qu'il veut gagner. Quand il a joué contre moi, il a dit que. Enfin, je lui ai demandé s'il jouait Richter. Il m'a dit non, je joue Miss, je veux gagner. Donc je pense que c'est son main. Non, il reste sur son perso. Il va falloir jouer plus de distance. Voilà, c'est mieux. 2. Il va y avoir plus de place pour atterrir. Attention à pas trop bourrer les counters en désavantage, ça va finir par se voir. Bon petit juggle. Le capitaine qui est en difficulté. Il va la trouver son espace. On n'a pas inversé les pseudos là sur. Non. On a The Fiel. Non, celui-là que c'est. Celui-là qui est. The Fiel, c'est Pericles. The Fiel, c'est Pericles. Ouais. Moi je m'appelle pas Alexandra. En tout cas, 1, 2. Ok, il tire la promotion, il attend bien. Jam, c'est étonnant. Ils sont pas voulus. Serve les shields. Un Captain Falcon patient est un Captain heureux, mais un Captain stupide est un Captain qui bourre du style dans le neutral. C'est vrai qu'il garde bien son solo. Ah, attention, la vulnérabilité de l'edge perdu. Ce n'est pas fini. C'est vrai qu'il essaie de gratter le plus possible, mettre en. En désavantage normal. Qu'est-ce qui sort du death trap avec un down B? Curieux. Bah, principalement parce que. C'est vrai qu'il a décidé de lui donner le stage control en faisant un énorme dashback à l'autre bout du terrain. Et la red zone, les enfants, ne vous retrouvez pas dans cet endroit contre Captain Falcon.
vois que je commence à me trouver un peu et... dans le smash comme ça. Il n'y a pas sur ses ledge qui dash grave qui n'a pas connect. Sympathique. Et tech. Il l'a sauvé. Je sais pas s'il avait d'autres options. Voilà, il y a d'autres. Attention au captain avec de la rage. Ça touche, ça tue. Hein. Voilà, il a bien super, ce trou, ça a l'air. Peut-être une mauvaise DI. Les spéciaux bourrés dans le neutral. Attention aux plateformes. Périclès qui m'a l'air un peu dans la tourmente, hein, qui n'arrive pas à retrouver son jeu. Et se fait et franchement, magnifiquement comeback sur cette deuxième game. Voilà. Alors quand Périclès va s'adapter, il va falloir changer la façon de sortir du left trap. Retrouver des conversions. Je sais pas quel stage j'ai choisi, ça va être plus facile avec le coach, j'imagine. Troisième round. Et ce sera sur Kalos. Là, il y a tout ce qu'il veut en termes de atterrissage, avec la classe. Range mix-up, c'est la base. Un peu légère. Qu'est-ce qu'il attaque directement, hein. Il y avait 74%. Petite tentative de spike. Heureusement que la Xbox était sortie. Et ça, on n'est pas en Wi-Fi chez nous. Dommage. Parce qu'il faudra pas ça tuer, hein. C'est vraiment le massant chargé comme ça. Tout tuer, je pense. Même un falling knee, n'importe quoi. Exchange correct. Voilà. Ça c'est ride. Attention. Disons que pour recover, il a deux options. Soit utiliser le up B verticalement, soit le side B à l'horizontale, mais... Tous les autres angles ne sont pas trop permis. Et comme visiblement il n'aime pas trop air dodge et recover up, c'est bien assez facile pour Pericles de rôder les options. Attention, ça va être avec ses patrons, c'est bien vu. Peut-être qu'il n'est pas giga chaud sur cette mission aujourd'hui. Parce qu'il essaie de. Avoir du style. S'il était pas venu chercher, il y avait un. Seul qui fait ça tout souvent, Pericles a compris. Pericles. Chercher le garde, mais je crois que celui-là qui est sur son fond, parce que c'est pas garanti. Bonne catch. Bonne conversion, enfin il l'a trouvé. Ça touche, ça tue, c'est trop, c'est le nid. Oh non. Maintenant, capitaine, il va falloir réussir à rester en avantage le plus longtemps possible. 148%, c'est compliqué. Surtout avec un perso qui n'a absolument pas de portée ni de disjoint. Les sols vont monter tout de suite. Et je me retrouve tout seul pour commenter cet Evo 2020, bien sûr. Captain Falcon 200% qui ne veut toujours pas mourir. Il joue plus patient et c'est lui réussi. C'est compliqué de trouver une ouverture avec lui. Captain c'est rapide, ça dash back. Ça joue beaucoup au shield, ça va trouver un grab pour lui. Upper knee. Il préférait être neutral plutôt que tenter à l'edge trap à ce pourcentage, je le comprends.
Après, ça donne beaucoup de stage control pour pas grand chose. Voilà, ça se crache sur un shield, c'est puni, mais ça ne tue pas. Ce personnage ne tue pas. Je l'ai mix-up. Cela va-t-il enfin réussir à trouver une ouverture sur un projectile peut-être sur cette flash d'edge guard. La tornade qui ne connecte à l'EF tilt qui finit par trouver le kill. Encore faisable. 64-27. 3. Et on est quasiment even. Even. Tout peut lead sur une victoire de Périclès ou de Solak. Attention au landing. Une tornade, c'est foutu et c'est le spike du style. Style 10 Falcon qui termine ce match en beauté.